السلام عليكم الزلفلاون بونجور. Un autre jeune Mozabite, juste âgé de 16 ans, a été assassiné dans la vallée du Mzab. Encore un mort. C'est la neuvième victime en quelques mois. En plus de dévastations qui se chiffrent en centaines de milliards, dans une région où l'insécurité règne, dans l'impunité la plus totale, sous le regard blasé des gendarmes et des policiers qui disent ne pouvoir intervenir que sur ordre. Ce conflit violent entre deux communautés qui ont pourtant longtemps cohabité, avec un tant soit peu de convivialité, a vraisemblablement été attisé par des forces occultes qui cherchent à faire exploser la violence au Sahara. Les initiés du terrorisme pédagogique en savent quelque chose. Des milieux non identifiés, mais qui nichent au cœur du régime, ont donc décidé de mettre le feu à la poudrière pour de bien sombres desseins. Et ainsi, deux communautés se sont retrouvées face à face en présence de forces de police et de gendarmerie qui non seulement ne font presque rien pour séparer les belligérants, pour séparer l'agresseur de l'agressé, mais qui bien souvent prennent fête et gauzent pour un camp contre l'autre. On a vu sur des dizaines de vidéos des policiers prêtant main forte à ceux qui agressaient des Mozabites, qui saccageaient leurs maisons et dévastaient leurs sépultures et leurs mausolées. Les vidéos existent en nombre sur YouTube. De nombreuses promesses ont été faites à la population de ramener le calme, mais sans rien de sérieux qui les ait concrétisées. Le Premier ministre lui-même, M. Sellel, s'est engagé à plusieurs reprises, non seulement pour mettre fin à cette violence, mais aussi pour faire toute la lumière sur les tenants et les aboutissants du conflit, a-t-il dit. L'être morte aussi. Les Mozabites n'en peuvent plus. Les excès dont ils ont été victimes ont poussé certains d'entre eux à parler d'autonomie, version MAC, c'est-à-dire séparatisme. La colère gronde. La vallée du Mzab menace d'exploser de façon qu'il ne sera plus possible de contrôler. À plus forte raison que certains oiseaux de malheur commencent à évoquer des histoires de djihad contre les Ibadites. À plus forte raison que des berbéristes extrémistes se sont saisis de cette injustice faite aux Ibadites, pour hurler au loup arabe qui veut exterminer les berbères. Donc, dans un camp comme de l'autre, des extrémistes sautent sur l'occasion pour attiser les flammes de la discorde. Une coordination de représentants de plusieurs communautés mozabites ont appelé aujourd'hui à une journée de la colère, à un sit-in face à la wilaya de Rardaya et des sit-in des communautés mozabites dans plusieurs grandes villes algériennes. Nous allons voir aujourd'hui TSA, le journal TSA, Rardaya, des Mozabites appellent à un rassemblement de colère dimanche. L'expression rassemblement de colère aujourd'hui à Rardaya, attention aux brasiers Mozabites. Et enfin, Al-Watan. Rardaya sit-in aujourd'hui devant le siège de la wilaya. Avec nous pour parler de cette tragique situation, nous allons commencer par Hajj Mohamed d'Alger. Hajj Mohamed. Avant de présenter Hajj Mohamed, nous allons voir une courte vidéo. هذا الغضب العارم لازم كل الوطن يتكلم على هذا الغضب. شهيدنا ليس أغلى من قميص. مقرى لأدان فخامته الرئيس ربي يحفظه ويشافه لماذا لا ينتفض هذا الشعب من أجل الجزائر لأن البداية بداية العفن أكيد أي جاية من غردايا ونحن نحب الجزائر ونعشق بلادنا بالصح ماذا بينا ندير وقت لهذا القتل كفانا هذا دم اليسع شفتوا اليسع هذا دمه أرخص من دم ليث قسنطينة أرخص من دم الرضيع لماذا أرخص من دم شهيد فلسطين ألا La situation ne s'est pas améliorée à Rardaya.
La situation ne s'est pas améliorée à Ardaya. Non. La situation ne s'est pas améliorée à Ardaya. C'est normal, mais ça n'a pas mis la doula ou l'amin. وعدم حضور الأمن مع احترامات للأمن وعدم حضور العدالة والناس في السجون قابعين هناك يعني أكد لك نديروا الثقة في العدالة تعنا والأمن تعنا فقط نريد تحريك جيد لقبضة الحديدية يا سلال يا سلال كفانا من الكذب كفى Nous allons commencer par accueillir Nordin Dadi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Dadi. Je vous en prie. Alors, vous étiez du nombre des manifestants? Oui, effectivement. À Ardaya, Alger? Non, c'était à Ardaya pour exprimer ma colère. D'accord. Avec mes concitoyens de Ardaya. Donc, les gens sont vraiment à cran, ils sont à bout, ils n'en peuvent plus? Oui, effectivement, après 8 mois de calvaire, d'affrontement, de mort, de sang et de saccage de biens, donc les gens n'en peuvent plus, ils veulent en finir avec cette situation et ils ne peuvent plus supporter. Donc après la mort du jeune Ouf El Yessaa, les premières heures du premier jour du Ramadan, de ce mois sacré, donc il mort disons futile d'une manière il a été caillassé avec des pierres qui a abouti à sa mort, donc les gens ne comprennent plus ce qui arrive et d'autre part ils sentent qu'ils sont tous disons les Mozabites en particulier qu'ils sont tous la cible. Un jour, ils peuvent être la cible à tout moment de caillassage de prière qui peut aboutir à leur mort. Donc, ils regrettent d'une part la victime et d'autre part, ils expriment leur crainte, leur colère et leur crainte sur eux-mêmes. Mais comment ça se passe? Ce sont des jeunes, des bandes de jeunes qui sont sur des hauteurs et qui lancent des pierres ou comment ça se passe? Bon, en fait, on constate qu'il s'agit d'une phase, une phase de cette guerre ridicule qui perdure depuis 8 mois. Donc, au début, il y avait la phase des raids organisés et soutenus par les forces de sécurité au moment où les castes au pouvoir étaient en plein bataille. Avant les élections présidentielles. Ensuite, après, donc deuxième phase, c'était les agressions collectives et donc sur les personnes et les biens qui ont abouti à la mort de 8 personnes dans des escarmouches. Mais comment ça se passe? Ce sont des raids qui sont menés de quartier vers d'autres quartiers. Des raids de jour et de nuit sur c'est des batailles rangées entre quartiers. Donc et à chaque fois c'était donc une agression de la part de nos concitoyens des tribus arabophones sur la cible c'était les personnes et les biens des Mozabites. Et enfin maintenant après une certaine accalmie après les élections présidentielles on passe à une autre phase c'est la phase des agressions individuelles des raids sur des personnes et généralement par caillassage de véhicules et des passants. On compte déjà des centaines
d'agressions qui n'ont heureusement pas abouti à la mort, mais plutôt à des atteintes très graves à des personnes. Mais il n'y a pas eu d'arrestation. Malheureusement, c'est la mort. Il n'y a pas eu d'arrestation. Après la mort, c'est le ras-le-bol. Est-ce qu'il y a eu des arrestations après ces caillassages? À chaque fois que les gens se plaignent de ces caillassages, les forces de sécurité sur place leur présentent en surnombre et en surmoyen. Donc, lorsque je dis en surnombre, c'est après les déclarations des ministres de l'Intérieur et des différents responsables, c'est à peu près 12 000 personnes dans différents corps de sécurité, gendarmerie, police et autres corps, disons, d'IRS qui sont présents sur la ville. Et aussi les moyens colossaux, entre autres au moins 4 hélicoptères de police et de gendarmerie, au moins qui survolent la ville du jour et comme de nuit. Mais avec tout ça, à chaque fois qu'il y ait des raids, qu'il y ait des attaques, par simple caillassage de pierre, on n'arrive pas malheureusement ni à cibler, ni à arrêter les attaquants. Restez avec nous, M. Dadi. Nous allons accueillir Haj Mohamed. Haj Mohamed, merci de nous avoir rejoints. Allô. Haj Mohamed, salam alaikum, merci de nous avoir rejoints. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuhu. Alors, Haj Mohamed, dites-nous. Mohamed Tallahi, je suis de Borj El Kifane d'Alger, mais je suis originaire de Benizgen. Matcharfin Bek, c'est Mohamed Tallahi. Dites-nous alors, monsieur Mohamed Tallahi, Haj, qu'est-ce que vous pensez de cette situation catastrophique? Qui aurait cru qu'un jour, la région la plus paisible du pays, la région où vivent les gens les plus sereins, les plus tranquilles, les plus... Là où, moi je me rappelle quand j'étais petit, on disait, on n'a jamais vu un mendiant mozabite, on n'a jamais vu une bagarre entre mozabites, tellement il y a une solidarité, ils sont sereins, ils sont tranquilles, ils sont calmes. Comment on est-on arrivé à ce que ça devienne une région où il y a une telle insécurité, un tel enfer, j'allais dire? Oui, oui, d'accord. Ce que vous avez cité, premièrement, je remercie la chaîne Maghrabia de cet appel. Je les félicite de leur volonté d'approfondir et d'être le porte-parole de la vérité autant que possible. En ce qui concerne la population mozabite de Gardaïa, c'est... La situation, la cohésion sociale, économique et sociale, c'est pas un truc fortuit, c'est une accumulation de générations qui ont bâti avec leurs efforts, avec leur volonté d'obéir aux directions d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cohésion sociale qui ont abouti à cette situation. À cette organisation sociale très élaboré, très solidaire. Élaboré. Donc, qui n'est pas fortuite, c'est, oui. c'est les efforts accumulés de générations de nos ancêtres, Allah irhamhum, qui ont fait que cette cité, qui a été par la cité classée au patrimoine mondial de l'humanité, a fait l'admiration de l'ensemble de beaucoup de gens au travers la planète. Oui. Oui. Mais si on, pourquoi cette situation? Bon, cette situation, elle peut relever d'une volonté politique, tout simplement. Je ne suis pas sociologue pour déterminer exactement pourquoi on est arrivé là. Il y a à côté d'une population qui travaille et qui est le compter sur soi, le compter sur Allah subhanahu wa ta'ala, le compter sur soi et l'effort collectif. Il y a à côté une population qui peut-être n'a pas bénéficié de cette accumulation d'efforts, etc., et qui peut-être est manipulée par on ne sait pas encore maintenant qui tire les ficelles de ce conflit qui n'est pas fortuit, parce que on essaye de mettre en exergue le conflit entre Ibadite et Malikite, ou bien
ou bien Mozambique et arabe, alors que c'est préfabriqué parce que depuis des générations, ces deux communautés travaillent ensemble, l'une a besoin de l'autre. Oui. Et oui. Donc, il faudrait faire une analyse plus fine pour voir qui derrière les protagonistes réels ou occultes tire ces ficelles et à qui bénéficie le crime. Parce que on constate une escalade permanente des affrontements. Alors, question, oui. Une question. Avant les Mozambites, ils avaient les Ayen, les notables. C'est très structuré, la société ibadite, Mozambite, est très structurée. Même la société des femmes est structurée, elle a sa propre hiérarchie. Mais généralement, la société est sous l'organisation de l'Ayen, les notables, qui étaient très écoutés. C'est l'émanation, je vais simplifier pour ne pas être... chaque fois, il y a ce qu'on appelle l'Ashaïr, c'est un groupe de familles qui sont organisés sur la Ashaïr. Ces Ashaïr désignent des représentants. Ces représentants constituent l'Ayen pour une Khsor, pour une ville comme Benizgen, par exemple. Oui. Chaque Ashira a son représentant qui constitue l'Ayen. L'Ayen, c'est un petit peu un conseil qui a un rôle social, économique et politique, entre guillemets, parce que pas politique, mais il organise la solidarité sociale en réalité. Un petit parlement local. Voilà, donc c'est ça c'est la base. Donc à travers l'Ayen, on résout les problèmes économiques, sociaux, et culturel, etc. Il y a toute une... Est-ce que vous ne pensez pas que ça dérange un régime qui ne veut pas que, que la société s'organise en dehors de lui, un régime qui veut que les partis qui existent soient à sa dévotion, que les organisations de masse soient à sa dévotion. Or, la seule société qui échappe à son contrôle de par son organisation, qui n'a même pas besoin du régime, c'est celle des Mozambites. Est-ce que vous ne pensez pas que... Non, mais avec tout le respect que je dois, Annie, on pourrait penser qu'au contraire, oui. Au contraire, c'est une diversité, c'est un enrichissement. Et oui, c'est-à-dire, c'est tout cela de moins qui va être demandé au budget de l'État. Au contraire, c'est, je ne sais pas, une rationalité... D'ailleurs, votre collègue de l'autre chaîne a cité dans la revue de presse Tal Maghrebia, l'exemple de l'Irlande, des Basques, au niveau européen, où la démocratie va de pair avec le respect des diversités qui enrichissent. Oui, mais en régime, dans un État démocratique. Or, chez nous, il y a une mafiocratie. Ça ne l'arrange pas qu'il y ait une telle organisation aussi poussée, aussi solidaire, aussi efficace. Bon, ça ne l'arrange pas parce que ça pourrait devenir un mauvais exemple. Un mauvais exemple. Est-ce que ça l'autorise à détruire tout cela? Bien sûr que non. De quelle légitimité se prétend-il pour vouloir détruire tout ce qui a été fait et qui est bon? Je pourrais renverser la formule. Je prétends que le MZAB est une des parties les plus authentiques de l'Algérie. Je confirme avec vous. De citoyenneté et de valeurs aussi bien culturelles que économiques et culturelles. Et historique, les Rostémides ont été le premier grand État du Maghreb central. Oui. Et donc, donc, si vous voulez, bon, là on touche au problème de la faiblesse je dirais pas de l'État, j'ai dit du pouvoir, parce que oui. L'État normalement il a une constitution, il respecte l'islam, s'il appliquait cette mot, il aurait depuis longtemps arrêté ses troubles, rétabli la sécurité, la justice, trouvé les criminels, etc. Mais si on part du principe qu'il y a une volonté de Kemagalo fait l'ouart sabr, ça veut dire défaire cette organisation, alors on pourrait comprendre beaucoup de choses. Donc, mais nous, si vous voulez,
on n'est pas prêt à laisser la terre de nos aïeux, on n'est pas prêt à trahir nos aïeux qui ont fait des efforts, qui ont construit tout ça, et si on veut nous détruire, Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, atassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et puis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Rabbi, ma ramita id ramita walakin Allah rama, l'haq, l'batal rah za'iq. Restez avec nous, restez avec nous. Nous ne doutons pas que la volonté de Dieu et la volonté du peuple algérien surtout, parce que nous avons beaucoup de respect de la part du peuple algérien, nous avons beaucoup de groupes de personnes parmi la population algérienne. Nous souhaitons qu'il pense que l'exemple du Mzab n'est pas un exemple fortuit et qu'il peut se retourner contre l'ensemble de l'Algérie. On a entendu d'ailleurs, on a entendu avec une grande émotion l'hymne national repris par tous les manifestants. C'est très très éloquent, c'est très significatif de la tendance de cette contestation, de cette révolte, de cette colère. Restez avec nous, Hajj Mohamed. Nous allons accueillir maintenant Hammo Imnessen. C'est Hammo? Oui, monsieur Jamel. Vous pouvez corriger votre nom, je n'ai pas su le prononcer. Oui, c'est bien Hammo Imnessen. Imnessen. Marhaba Bik, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Dites-nous, vous avez été l'un des organisateurs de cette manifestation. Oui, j'étais des parmi, oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Qu'est-ce que vous espérez? Et comment, d'après vous, ça va se décompter? Comment ça va arrêter ce massacre, ce carnage? Oui, après la mort de notre fils Liessa, le fils de 17 ans qui a eu son brevet récemment, et ça, après que le fils unique de sa mère a payé la mort de son père, les inondations de 2008. Imaginez-vous le chagrin de sa mère. Et après les arrestations arbitraires et l'identité dès le début du Ramadan, des gens innocents qui sortent comme ça du Tarawih avec l'organe d'Ora abattu et mené dans les silos, après dans les prisons. Attendez, monsieur. La colère à la montée. Monsieur Hammo. Qui ont permis à organiser cette marche. Alors, des gens sortaient des Tarawih pour rentrer chez eux. Ils étaient arrêtés, tabassés, emmenés en prison. Oui, c'est ça. C'est monsieur Jamel. C'est avec. Je suis un peu. C'est le coordinateur entre les familles des détenus et les avocats. Il y a des dizaines de gens sortis de mosquées, tabassés et menés au prison, comme ça. Confirmez-nous. On dit comme le bashmak, c'est-à-dire la sortie de prière, il n'était pas là pour faire de n'importe quoi. Et confirmez-nous cette histoire de citoyen qui a filmé des policiers en train de voler un magasin qui a été condamné à 2 ans de prison pour avoir filmé ces policiers. Oui, c'est notre frère Dedda Youssef qui a fait le travail normalement de la police. Il devrait être félicité. Il sera un héros de pays comme d'autres pays démocrates. Exact. Bon, on est là, on fait un acte comme ça de la citoyenneté, normalement il sera mis en médaille de la bravoure. Mais le contraire, juste ici, à Ghardaya, le jeune homme, maintenant il est à la prison. Alors je rappelle à nos téléspectateurs, qui ne le savent pas, que cet homme a filmé à l'aube 3 policiers en tenue, qui sont allés dévaliser un magasin. Il les a filmés en train d'aller puis de revenir avec leur butin. Et donc après, ils l'ont arrêté. Et ils lui ont fait subir de mauvais traitements. Et quand il est passé en justice, il a tellement eu peur qu'il a dit « Non, ce n'est pas moi qui ai filmé, ce n'est pas moi qui ai diffusé. » Malgré ça, il a été condamné en prison pour avoir sali
l'image des services de l'État ou de corps constitués, je ne sais pas quoi. Sinon, c'est Hamou. Est-ce qu'il y a eu du répondant? Est-ce qu'on vous a reçu lors de sit-in devant la wilaya de Gherdaya? J'ai pas compris votre question. Lors de la manifestation du sit-in devant la wilaya, est-ce que les autorités vous ont reçu? Est-ce qu'ils se sont est-ce qu'elles se sont exprimées? Oui, il y a un groupe de un groupe de CCS, il y a des jeunes. Ils ont pris les revendications des manifestants avec le Wali. Normalement, ils ont été donnés en main. Oui. Nous allons revenir à Hajj Mohamed. Hajj Mohamed, est-ce que vous êtes avec nous? Hajj Mohamed, je vous demanderai de baisser le son de la télé parce qu'on ne vous entend pas. Nous allons revenir à Hajj Mohamed. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Hajj Mohamed, dites-nous, il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement pour cette émission. Oui, je suis là, je vous écoute. Alors, dites-moi, quelles sont vos espérances, quel est l'appel que vous lancez au peuple algérien? Oui, je vous écoute, ça y est, ça. Voilà. Je vous écoute. Alors, quel est l'appel que vous lancez au peuple algérien et quelles sont vos espérances pour cette région qui est très chère au cœur de tous les Algériens? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Premièrement, je suis complètement outré par le silence. Si Mohamed, je vous rappelle juste qu'il ne nous reste que 2 minutes. Je vous demanderai donc de synthétiser. Merci. D'accord. D'accord. Je regrette le silence assourdissant de tout, à tous les niveaux de ce qui se passe depuis des mois à Gherdaya. Aussi bien au niveau des ministères que au niveau de plus haut niveau. Il semble que le problème des prouesses de l'équipe nationale valent plus que les vies humaines de Gherdaya. Bon, je demanderai au peuple algérien, parce que le peuple algérien a fait le khir, et je ne doute pas qu'il sympathise avec la situation faite aux Mozabites, contrairement à certaines couches du pouvoir qui font preuve d'arrogance et de mépris. Je lui demanderai de déclarer fort sa solidarité et de mettre en application les principes de l'islam en ce mois de Ramadan, que le dem ou le mal ou l'ard musulman haram, comme nous l'indique Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa sallam. Merci Hajj Mohamed. Nourdin Dadi, un dernier mot s'il vous plaît, moins d'une minute s'il vous plaît. Donc j'ai synthétisé un petit peu l'appel, la plateforme qui a été remise aux autorités, ou en particulier aux représentants de l'État algérien à Gherdaya. Donc la plateforme englobe 13 points qui tournent autour de la sécurisation de la ville. Et ensuite, 2 points seulement concernant la relance économique et développement local, puisqu'en fait, on voit que les autorités veulent tourner la page et parler uniquement de développement. Développement, oui, relance économique, oui, mais sécurité avant. On veut survivre avant de parler de développement. Au peuple algérien, on lance un SOS pour ce qui, effectivement, ce qui se passe à Gherdaya risque de se propager. Et on a déjà nourri pendant 3 mois, très longtemps, pendant 8 mois. On sait très bien maintenant à Gherdaya qu'est-ce que ça veut dire absence de l'État. Et c'est très grave. On dit à tous les Algériens, c'est très grave que l'absent, que l'État soit absent. Pire encore, que des institutions de l'État soient complices, soit manipulateur. Donc, à 6 manipulateurs, on dit basta, puisqu'effectivement, votre coup est atteint.
La ville est déstabilisée, la destruction partout, des quartiers interdits aux mousabites, au commerce et à l'habitation, et même au passage, on ne peut même pas passer dans quelques quartiers, et tout ça, ça ne peut pas durer. Mais il y a aussi, il faut préciser que dans certains quartiers mousabites aussi, la présence des Sha'anba, par exemple, est interdite aussi. En fait, après de très longs mois, on peut dire, bon, les graines de la haine ont été semées. Vous avez réussi à installer la haine. Voilà. Et c'est malheureux. Donc, il faut qu'il y ait un travail profond et sérieux et sincère. Notamment, je m'adresse aux autorités, puisque les autorités veulent faire l'arbitre entre les concitoyens. Non. Les principaux instigateurs, les principaux meneurs, les principaux manipulateurs, malheureusement, sont dans les institutions de l'État. On demande aux autorités du pays de cesser cette mascarade. Merci, et merci, de donner la paix à tout le monde, les Algériens, Agardais, tous les concitoyens veulent, ils peuvent vivre en paix, ils peuvent cohabiter. Il faut juste les laisser faire et ne pas manipuler et ne pas continuer à semer la zizanie. Merci, c'est Nordine Dadi. Merci. Il vous reste donc le dernier mot. Parlez-nous un peu en moins de 2 minutes parce qu'il ne reste plus de temps. En moins de 2 minutes, ces velléités de gens qui parlent maintenant d'autonomie, de séparatisme, à quoi c'est dû? À la colère, au ras-le-bol des gens? Oui, beaucoup. C'est Hamou? Oui, pourquoi? C'est Hamou, on ne vous entend pas. Vous êtes, mettez-vous dans un endroit où il y a du chant. Ah, nous l'avons perdu, malheureusement. Voilà, donc notre émission est maintenant terminée. On aurait voulu écouter Sihamo, ce qu'il avait à nous dire sur ces velléités qui se réveillent parmi certains de nos compatriotes mozabites qui parlent un peu le langage du Mac, qui parlent d'autonomie en pensant au séparatisme, en espérant que les deux communautés pourront se réconcilier et que, comme l'a dit notre invité, le mal ne se propage pas outre mesure. Dans cet espoir, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Salam alaikum azul fillahou.